Bonjour, aujourd'hui je vous présente 4 étudiants en psychomotricité qui vont vous parler de l'alternance. Suivez-moi. Clément, pourquoi avoir choisi ce métier ? Alors moi je choisis ce métier car je cherchais un métier qui a à la fois l'aspect psychique et l'aspect physique. Donc j'ai fait des recherches et je suis tombé sur la psychomotricité. Comme je ne savais pas trop ce que c'était, j'ai fait une journée de formation à l'ISRP pour pouvoir découvrir le métier, ce qui m'a beaucoup plu et du coup j'ai décidé de passer le concours pour pouvoir rentrer à l'ISRP. Marion, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous êtes arrivée à la psychomotricité ? Alors en fait, pour ma part, j'ai d'abord fait une licence de psychologie. Et en fait, en arrivant en licence de psychologie, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ce qui me correspondait le mieux. Donc du coup, j'ai fait un stage dans un IME où il y avait une psychologue et une psychomotricienne. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la psychomotricité, c'était peut-être quelque chose qui me correspondait le plus. Donc du coup, je me suis orientée vers cette filière. Et donc, à travers les SRP, on peut directement entrer en première année sans passer par le concours. Et vous, Vanessa, comment êtes-vous arrivée à la psychomotricité ? J'ai obtenu mon bac économique et social. J'ai ensuite pris le chemin de l'école préparatoire où j'ai préparé mon concours pour devenir psychomotricienne. J'ai été acceptée dans plusieurs écoles et j'ai accepté l'ISRP notamment pour l'alternance. Et vous, Quentin, pourquoi avoir choisi l'alternance ? Donc, j'ai choisi l'alternance en psychomotricité parce que ça permettait de rentrer dans le monde du travail et du coup de quitter un petit peu les bancs de l'école, d'être un peu entre les deux. Et puis d'avoir une clinique plus importante que les autres étudiants en formation initiale. Il y a aussi, ça nous a permis d'avoir une autonomie financière par rapport à nos parents, puisque nous avons un salaire en plus. Ça nous permet d'un petit peu d'entrer dans le monde du travail, faire la transition entre l'école et l'après, le DE.